Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, déjà en campagne électorale, le chef de la CAQ se qualifiait de premier ministre économique. Il se décrit d'ailleurs lui-même comme étant quelqu'un qui fait des deals. On attend toujours d'ailleurs de voir ses premiers deals comme tels. Dans le dossier du tramway de Québec, on a patienté pendant des mois et on attend toujours ce deal qui sera conclu avec la Ville de Montréal. En novembre dernier, le chef de la CAQ a rendu visite au premier ministre de l'Ontario pour parler d'hydroélectricité. Et comme il savait que Doug Ford n'était pas très chaud à l'idée de faire un deal, il a offert 50 % des emplois des travailleurs ontariens pour la construction de barrages au Québec. Ça n'a rien changé au refus de l'Ontario, mais ça nous donne l'heure juste sur la façon de négocier du chef de la CAQ. Lors de votre passage à New York, vous avez offert l'électricité du Québec à rabais, même dans certains, selon certaines rumeurs, en bas du prix coûtant. Vous promettez de multiplier les investissements privés, mais on attend toujours. Le seul qui a fait un deal jusqu'à présent, Monsieur le Président, c'est le nouveau président d'Investissement Québec qui, lui, a doublé son salaire. Le premier ministre peut-il avouer qu'en matière économique, actuellement, son gouvernement nage en pleine improvisation? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, toute une Macédoine qu'on a en ce lundi après-midi. Le tramway de Québec, bon, j'attends toujours les propositions du Parti libéral. Actuellement, il y a des discussions effectivement avec la Ville de Montréal pour qu'on puisse utiliser des fonds dans le fonds fédéral de 5,2 milliards. Je pense que c'est la meilleure alternative pour régler ce problème-là. Je ne sais pas si les libéraux ont le début du commencement d'une autre solution. Concernant New York, Monsieur le Président, c'est un dossier qui est complexe. Il faut savoir qu'il y a un intermédiaire pour l'instant qui s'appelle Blackstone, qui a acheté une compagnie qui s'appelle TDI. Actuellement, dans le prix qui serait facturé à la Ville de New York, il y aurait plus de la moitié du prix qui viendrait de la rémunération de celui qui construira la ligne de transmission, qui est Blackstone. Donc, on est en train de voir si on peut réduire la rémunération qui est donnée à Blackstone ou de regarder quelqu'un d'autre qui pourrait construire cette ligne. Pour ce qui est du prix qui est facturé par Hydro-Québec, ça sera un prix qui sera comparable à ce qui a été négocié au Massachusetts. Ça amènerait 800-900 millions de dollars de plus de revenus pour le gouvernement du Québec. Moi, je trouve que ça vaut la peine de faire des efforts. Et actuellement, bien, je rappelle que le gouvernement libéral s'est retrouvé avec Hydro-Québec en surplus pour en acheter pour plus de 700 millions d'électricité l'année dernière à cause des mauvaises décisions du Parti libéral. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je vais vous dire que nous, on a fait une première entente avec l'Ontario. Dans le cas de votre gouvernement, vous avez déclaré, à l'issue de votre conseil général là, sur l'économie verte, vous avez déclaré que vous alliez proposer à Doug Ford un deal qu'il ne pourra pas refuser en matière d'hydroélectricité. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette offre exceptionnelle? Est-ce que cette fois-ci, vous allez offrir 100 % des emplois aux Ontariens? Monsieur le Premier ministre. Quand on parle de deal, moi, c'est plus fort que moi. Je pense toujours au deal où le gouvernement libéral a donné 1 milliard de dollars de trop par année aux médecins spécialistes. C'est le pire deal que j'ai entendu dans toute ma carrière politique. Monsieur le Président, pour ce qui est de l'Ontario, on sait que l'Ontario s'apprête à investir 20 milliards de dollars pour rénover des centrales nucléaires à un coût qui serait supérieur à la construction d'un nouveau barrage et d'une nouvelle ligne de transmission Québec-Ontario. Donc, je continue à croire que les Ontariens vont souhaiter avoir une énergie propre, une énergie qui coûte moins cher. Et oui, je vais continuer de me battre pour défendre notre proposition. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, dans la récente mission du premier ministre à Washington, il a rencontré le PDG d'Alcoa. Alcoa, c'est le principal investisseur de l'aluminerie ABI à Bécancour. On sait que vous voulez vous mettre les deux mains dans le dossier. Est-ce que vous avez réussi à obtenir un deal pour régler le conflit de travail chez ABI? Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, on a appris une bonne nouvelle en fin de semaine. Alcoa a réglé une convention collective de 6 ans pour 700 employés à Baie-Comeau. On espère que les gens de Bécancour vont être aussi ouverts. Mais moi, je suis très surpris de voir que le Parti libéral défend la position d'un syndicat qui demande 10 000 heures de libération syndicale, qui demande des salaires plus élevés, qui demande que la contribution de l'employeur de 60 % soit augmentée. Raymond Bachand avait raison. Le Parti libéral n'est plus le parti de l'économie. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Le chef de la CAQ avait dit, d'ailleurs, en campagne électorale, qu'une fois qu'il serait premier ministre, il arracherait des pouvoirs au fédéral. Vendredi, le premier ministre du Canada a annoncé qu'il contournerait Québec pour négocier directement avec les villes. Est-ce que vous pensez que laisser le fédéral négocier avec les villes, c'est un bon deal pour les Québécois? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, ma collègue, la ministre de la Justice, a négocié une belle entente pour que le Québec participe à la nomination des juges, ce qu'avait pas réussi le Parti libéral. Aujourd'hui, ma collègue responsable de la métropole a annoncé la contribution fédérale pour la rénovation du tunnel La Fontaine. Monsieur le Président, on ne laissera pas le fédéral aller directement négocier avec les municipalités. On va y aller selon les priorités des Québécois, le gouvernement des Québécois. C'est ce qui est mieux pour les Québécois. On n'a pas besoin du fédéral pour décider à notre place. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans le dossier d'Investissement Québec, on a assisté à beaucoup de tergiversations depuis l'arrivée du gouvernement actuel. Alors, on a eu un PDG qui a été absent de la période de crédit. On a maintenant deux PDG qui sont payés, un qui travaille, l'autre qui ne travaille pas. On a la commissaire à l'éthique qui doit se pencher sur des enjeux avec Investissement Québec, avec le ministre de l'Économie. Et lorsqu'il y a eu la nomination du PDG, il y a eu également une augmentation de salaire importante. La rémunération est passée de 500 000 $ à 1 million de $. Or, lorsque l'on lit le rapport de la vérificatrice générale, on constate que la proposition qui est faite pour la rémunération du PDG va à l'encontre des recommandations de la vérificatrice générale. Alors, comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux? La question se pose et je demande au président du Conseil du Trésor s'il peut y répondre. Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, ça me fait plaisir de prendre la question de la députée parce que, premièrement, le rapport de la vérificatrice générale que nous avons eu la semaine dernière, je l'ai dit clairement ici en Chambre et je l'ai dit dans un point de presse, nous souscrivons à l'essentiel des recommandations qu'elle a faites dans son rapport. Donc, il y avait deux grands éléments, puis je pourrais y revenir. Il y avait toute la question de l'encadrement et où il y avait des faiblesses qui avaient besoin d'être déclaré, non seulement déclaré, mais d'être réglé. Et il y avait toute la question aussi de s'assurer que la transparence était là. Et je l'ai dit clairement lors de ma réponse la semaine passée, puis je peux le répéter, c'est quand même des années qui sont sous le gouvernement libéral où on a dit qu'il n'y avait pas d'encadrement du Conseil du Trésor de la bonne façon et où, justement, on avait besoin de plus de transparence. Je me suis engagé à le faire et c'est pour ça que nous allons travailler très fort au cours des prochains mois sur la loi de l'administration publique qui va traiter la question de transparence et la question de l'encadrement. Et ça inclut ce que le ministre de l'Économie fait en ce moment avec Investissement Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, si je comprends bien la réponse, il va se plier aux recommandations de la vérificatrice générale. Le salaire, la portion incitative recommandée par la vérificatrice générale pour le salaire, c'est 21 %. Or, ce qui était attribué au nouveau PDG d'Investissement Québec, c'est 90 %. 90 % que vous avez accepté pour le nouveau PDG d'Investissement Québec, 20 % la recommandation de la vérificatrice générale. Est-ce que ça veut dire que vous allez revoir la rémunération actuelle du PDG d'Investissement Monsieur Québec? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Bon, mais si on va un petit peu plus loin, Monsieur le Président, j'aimerais mentionner une chose qui est très importante. Je pense que la députée se souvient très bien qu'elle a elle-même nommé la présidente du Conseil d'administration d'Investissement Québec alors qu'elle était ministre au gouvernement et que cette personne-là, que je connais très bien, Mme Leroux, a justement accepté toute la position de rémunération qui a été recommandée par le Conseil d'administration d'Investissement Québec envers le nouveau président. Alors, peut-être que ma question
que je peux lui poser aujourd'hui. En quel point n'est-elle pas d'accord avec la recommandation du Conseil d'administration d'Investissement Québec? Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Réponse un peu facile, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on lit la réaction d'Investissement Québec par rapport à la recommandation de la vérificatrice générale, on lit que la recommandation de considérer davantage la fonction publique dans l'échantillon de balisage va à l'encontre des principes de définition de marché de référence. En fait, Investissement Québec dit une chose, la vérificatrice générale dit autre chose. Que va faire le président du Conseil du Trésor et de quel côté va-t-il pencher? Le président du Conseil du Trésor. Alors, je vais aller encore un petit peu plus loin. Ce que j'ai expliqué, d'ailleurs, je continue de dire que le rôle du gouvernement, lorsqu'il nomme des personnes à des conseils d'administration, devrait avoir le respect de laisser ces conseils d'administration faire les bonnes choses. C'est ce que j'ai expliqué avec Mme Leroux, qui a fait, à mon sens, un excellent travail au cours des dernières années. Mais je pense que notre ministre de l'Économie a bien dit qu'il voulait amener Investissement Québec ailleurs. D'ailleurs, un projet de loi est en préparation qui adressera exactement ces points-là, autant sur la transparence que sur l'encadrement des salaires qui devraient être payés à l'intérieur d'Investissement Québec. Alors, je pense que la ministre doit être patiente, puis entre-temps, on fait confiance au conseil d'administration d'Investissement Québec. Merci. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, le gouvernement veut concentrer les centres de données informatiques. C'est une bonne idée, on voulait le faire. Un projet d'investissement à 150 millions de dollars. Un appel d'intérêt mené à la qualification est en cours. L'appel, évidemment, permettra aux entreprises sélectionnées d'avoir accès à un catalogue de contrats gouvernementaux. Les entreprises doivent détenir la norme SOC2, un genre de norme ISO dans le monde des technologies d'information. Vendredi dernier, la presse Affaires révélait qu'une entreprise québécoise, parfaitement compétente et performante, allait être exclue parce qu'elle n'a pas complété la certification SOC2. Pourtant, le gouvernement se vante de vouloir développer l'économie québécoise, puisque les entreprises québécoises détenant cette norme sont très rares. Le ministre va-t-il faire preuve de souplesse dans ses règles pour s'assurer que toutes les entreprises québécoises aient, en octobre, accès à ce grand marché de 150 millions de dollars? Le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais commencer à répondre à cette question-là, puis peut-être que mon collègue pourra compléter par la suite, mais je voudrais juste être certain, Monsieur le Président, que le député de Lapinière ne nous amène pas sur un terrain où il recommande que la sécurité soit mise de côté lorsqu'on va choisir les fournisseurs. Parce que nous avons bien dit, lorsque nous avons expliqué la stratégie de transformation que nous voulons faire, notamment dans le cadre des centres de traitement informatique, que notre plus grande priorité était de s'assurer que les fournisseurs qui seraient retenus seraient de façon sécuritaire et sur des critères internationaux, ce que nous avons fait depuis le début. Alors, je repose la question aux députés de Lapinière, est-ce qu'on devrait sacrifier la sécurité des fournisseurs dans le processus que nous avons enclenché en ce moment? Si c'est ça qu'ils nous demandent, je pense qu'on devrait le savoir de sa part. Deuxièmement, nous avons bien expliqué que le catalogue de fournisseurs qui va être signé au cours des prochains mois va être un processus qui va être soit biannuel ou en continu pour s'assurer que les fournisseurs qui ne répondent pas aux critères actuellement pourront le faire par la suite. Alors, je voudrais bien savoir s'il faut que la sécurité, c'est important. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, la norme SOC 2, ce n'est pas une norme technologique, c'est une norme administrative qui est attribuée par des firmes comptables. Le ministre a écrit son devis, il peut changer, et oui, il peut rendre un élément du devis conditionnel. La solution est donc très simple. Il s'agit de permettre aux entreprises qui sont dans un processus d'obtention de la norme SOC 2 d'être sélectionnées conditionnellement à son obtention avant le développement du catalogue. Le ministre va-t-il appliquer cette seule solution raisonnable pour les entrepreneurs? Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Alors, Monsieur le Président, il faut bien comprendre que le type 1, c'est une norme théorique. Donc, l'entreprise fait une démonstration théorique de sa capacité à assurer la sécurité de nos données. Le type 2 s'obtient suite à un audit. Donc, les gens qui certifient l'entreprise sont sur place pendant 6 mois, vont faire un audit au quotidien pour s'assurer que non seulement les pratiques, mais les résultats sont conformes à l'obtention de la certification et à s'assurer que les données sont bel et bien en sécurité.
Donc, là-dessus, non, on ne fera pas de compromis parce qu'on veut s'assurer que les entreprises qui vont se qualifier sont aptes à assurer la sécurité de nos données. Il n'y a pas de compromis à faire sur la sécurité. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Ça tombe bien, Monsieur le Président, parce que la presse nous révélait aussi que le ministre n'a pas appliqué la norme maximale de sécurité, qui est la norme ISO 27001, mais l'a descendue plus bas pour que des compagnies québécoises aient accès à ce marché de 150 millions, n'est-ce pas extraordinaire? Au moment où on se parle, il y a au moins une compagnie au Québec qui est en processus d'audit pour faire ça. Et si la norme était conditionnelle, avant, parce que je le dis clairement, avant le dévoilement du catalogue, ils pourraient participer à l'offre. Vous ne développez pas les entrepreneurs québécois. Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Alors, il est inexact de dire qu'on a descendu plus bas. La norme ISO 27001, elle est très contraignante sur les résultats et sur la façon de les obtenir. La norme SOC 2, elle est contraignante sur les résultats, mais plus souple sur la façon des entretiens. Mais le résultat final, c'est que les données seront en sécurité. Ça, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Sur le reste, Monsieur le Président, nous regardons, et je suis content que le député en parle, parce que justement, on est souple sur un paquet d'éléments pour permettre à des entreprises québécoises de se qualifier, et on va s'assurer d'amener un élément biannuel, encore en terminant, pour encore plus de souplesse pour permettre aux entreprises de se qualifier. Mais encore une fois, pas de compromis. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement persiste dans sa volonté d'envoyer des données gouvernementales sensibles chez Google, Amazon, IBM, les entreprises qui vont pouvoir héberger ces données et les rendre hautement vulnérables. Première erreur, nos données personnelles s'en vont chez le privé. Deuxième erreur, dans des entreprises étrangères qui vont pouvoir stocker nos données. J'informe le gouvernement qu'avec les agences de renseignement américaines, elles pourront accéder à nos données parce qu'avec le Cloud Act, c'est clair comme ça. Si elles sont, même si elles sont hébergées au Québec par ces entreprises, elles ont accès aux données. Ma question au premier ministre, nous, on trouve que ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Est-ce qu'il pourrait garder les informations personnelles des Québécois au Québec en sécurité et renoncer à ce projet? Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Bon, Monsieur le Président, on va démystifier un paquet d'affaires. Premièrement, on ne donne pas nos données à des entreprises privées. On va avoir des échanges de services avec des entreprises. Et oui, effectivement, il y aura des entreprises américaines, je suppose, européennes, québécoises, je le souhaite, évidemment. Mais une chose est sûre, Monsieur le Président, c'est qu'on va faire les choses de façon à s'assurer que les données sont en sécurité. Premièrement, ne pas accéder à la demande du député de la Minière, ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, on va catégoriser nos données. Je rappelle au chef du troisième groupe d'opposition que 20 % des données du gouvernement du Québec vont être mises dans un nuage privé. Donc, les données très sensibles seront dans un nuage privé. Ça a toujours été prévu comme ça. On parle de 80 % de nos données qui vont aller en info nuagique publique. Et vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'en catégorisant nos données, on va s'assurer que ce qu'on met dans le nuage public, ce ne sont pas des données extrêmement sensibles des Québécois, dont fait mention le chef du troisième groupe d'opposition. Encore une fois, on veut de l'efficacité, on veut de l'économie, on veut s'assurer du service le plus efficace possible, mais sans faire de compromis sur la sécurité. Il n'y en a pas question. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. La question est importante. C'est pour ça que j'aurais aimé que le premier ministre puisse nous livrer son appréciation du dossier. Envoyer nos données sensibles à l'étranger, ce n'est pas très nationaliste, ce n'est pas très prudent. Et 20 % des mesures sensibles, j'en prendrais 100 % des mesures sensibles. Et comme le ministre veut me faire un rappel, je rappellerai également qu'il souhaitait, lorsqu'il était assis ici, faire une vaste enquête dans le domaine informatique pour s'attaquer aux contrats, aux extras, puis on dirait que sa seule présence nous dispense d'une commission d'enquête telle qu'il réclamait. Alors, je veux lui réaffirmer que Monsieur c'est important... Monsieur le ministre responsable de la transformation numérique gouvernementale. Monsieur le Président, encore une fois, c'est pas parce qu'on répète quelque chose qui est faux que ça va devenir vrai comme par magie, là. Hein? Les données qui sont sensibles vont être... Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le député de la Pelletrie a déjà joué dans ce film-là. Il sait très bien qu'on ne peut pas prêter des intentions. Il dit que mon chef dit le contraire. S'il vous plaît, qu'il retire ses paroles. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le député de la Pelletrie et ministre délégué à la transformation numérique n'a pas fait ce que prétend
le leader du troisième repos du Pion. Alors, il parlait en général, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut bien écouter les propos du collègue de la Pelletrie. J'ai demandé au ministre d'être prudent. Je lui demande de prendre la parole du troisième, du chef du troisième groupe d'opposition. Poursuivez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, d'abord, jamais j'aurais prêté des intentions à qui que ce soit quand j'étais dans l'opposition. Monsieur le Président, ce qui est vrai d'affirmer, c'est que les données qui sont très sensibles seront dans le nuage du gouvernement du Québec. Ce qui est vrai de dire, c'est que par l'obtention, l'exigence des normes de certification, nous assurerons... Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, à travers vous, je veux m'adresser aux Québécois. Toutes les données sensibles du gouvernement du Québec et des citoyens, votre gouvernement veut les envoyer à des entreprises privées américaines, Amazon, Google, IBM. Je ne trouve pas ça nationaliste, je ne trouve pas ça prudent, je trouve que c'est une mauvaise idée. J'aimerais ça qu'ils renoncent à ça au nom des données personnelles qui doivent être protégées au Québec. Il me semble que c'est le gros bon sens. Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Alors, je vais m'adresser aux Québécois, moi aussi. L'état actuel des choses, c'est ça qui met à risque les données des Québécois. C'est ça, c'est cette situation-là, la dégradation de nos centres de traitement d'information, la multiplication dont vous êtes, vous, les responsables, c'est à ça qu'on va mettre fin. On va s'assurer que les données des Québécois sont gardées de façon sécuritaire dans des endroits qui répondent à des certifications, les plus hautes normes de certification en matière de sécurité. On ne fera pas de compromis là-dessus. On ne fera pas de compromis non plus sur le fait que les Québécois ont droit d'avoir accès aux technologies à la fine pointe, ont droit d'avoir les dernières versions des applications de sécurité. On ne fera pas en de compromis sur l'efficacité, sur la sécurité et sur les économies qu'on va faire. Question principale, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, M. le Président. Il y a 10 jours, le premier ministre a convenu avec Dominique Champagne de mettre la science au cœur des décisions politiques. Mais plus on avance, plus on a l'impression que le seul pacte qui compte pour le premier ministre, c'est le pacte qu'il veut bien faire avec Jason Kenney et l'Alberta pour écouler leur gaz sale à l'étranger. Ce matin, plus de 160 scientifiques québécois signe une lettre ouverte pour réfuter les prétentions écologiques du projet GNL Québec. Non seulement GNL Québec va effacer à elle seule en une année la totalité des efforts du Québec en matière de réduction, non seulement le corridor Legault-Kenney menace l'habitat de 17 espèces vulnérables menacées ou en voie de disparition, menace les bassins versants, menace la survie même des bélugas du Saint-Laurent, mais en plus, les scientifiques affirment, noir sur blanc, que l'exportation du gaz de l'Alberta va renforcer la dépendance mondiale à l'égard des combustibles fossiles et ralentir le développement des énergies renouvelables. Avant sa conversion surprise au changement climatique, le premier ministre répétait la cassette des lobbyistes comme quoi le gaz de l'Alberta allait verdir les autres nations. Maintenant, va-t-il écouter les scientifiques? Va-t-il enfin reconnaître que GNL Québec est incompatible avec la nécessaire transition énergétique et, de ce fait, la rejeter? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, GNL, c'est un projet important. C'est un projet qui, au total, va réduire les GES sur la planète. Et ça, c'est important de le dire, là, parce qu'on ne peut pas... Laisser les gens dire n'importe quoi sur l'impact sur les GES, incluant le député de Jonquière. Monsieur le Président, le projet, en quelques mots, c'est de prendre du gaz naturel qui vient de l'Ouest canadien, de liquéfier à Saguenay et de l'exporter en Europe pour remplacer du mazout et du charbon. Au total, on parle d'une réduction très importante des émissions de GES pour notre planète. Donc, Monsieur le Président, c'est un projet important. C'est un projet, en plus, qui va créer des milliers d'emplois très payants en région. Pour nous, c'est important. Je ne sais pas pour la chef de la deuxième opposition, mais pour nous, c'est important. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-elle contre un projet qui va réduire les émissions de GES sur notre planète. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition.
Le premier ministre est très fier de dire qu'il va diminuer les GES des Américains quand ils vendent notre électricité, parce que les GES, ça n'a pas de frontières. Ben, j'ai une petite nouvelle pour lui. Ce qui est vrai pour l'hydroélectricité est aussi vrai pour GNL Québec. Pire, le gaz de l'Alberta pourrait remplacer des énergies propres. On n'a aucun pouvoir là-dessus. GNL va vendre à qui il veut. Ce sont les faits. Est-ce que le premier ministre accuse nos scientifiques d'avoir tort? Monsieur le premier ministre. Je veux bien comprendre ce que dit la chef du deuxième groupe d'opposition. Est-ce qu'elle est en train de nous dire que d'avoir un barrage au Québec pour envoyer l'hydroélectricité aux États-Unis, qui va réduire le nombre de centrales au charbon, c'est une mauvaise chose pour la planète? Est-ce que c'est ça qu'elle est en train de nous dire? Monsieur le Président, ce qui est important, c'est de considérer le gaz naturel comme une énergie de transition. Ça va réduire au total les émissions de GES. Soyons pragmatiques, pas dogmatiques. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Je suis totalement d'accord avec lui. Pas dogmatique. Selon les scientifiques, la combustion du gaz exporté va émettre 30 millions de tonnes de CO2 en un an. Ça, c'est 17 fois la cimenterie mécaniste dont vous avez dénoncé quasiment à chaque jour l'aspect polluant de cette industrie-là quand vous étiez sur les banquettes de l'opposition. Maintenant que vous êtes au pouvoir, pouvez-vous expliquer pourquoi 17 cimenteries mécanistes? C'est pas grave. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je voudrais bien comprendre la position de la chef du deuxième groupe d'opposition. Si on augmente d'un côté les GES en produisant du gaz dans l'Ouest canadien, mais qu'on réduit trois fois, quatre fois plus les émissions de GES en Europe en fermant de la production de charbon, de mazout, si je prouve ça à la chef du deuxième groupe, va-t-elle être d'accord avec le projet ou ça va continuer d'être dogmatique? Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, ce matin, plusieurs patients se sont butés à une porte fermée à la clinique d'échographie de l'Outaouais. Des futurs parents qui s'attendaient à entendre battre le cœur de leur enfant pour la première fois. Des patients en attente depuis 12 mois d'une échographie pelvienne ou abdominale qui avaient espoir qu'aujourd'hui leur attente sera enfin compensée. Comme des centaines de patients de la région, ils voient leur rendez-vous annulé. Et tout ce qu'ils savent, c'est que la clinique est maintenant fermée parce qu'à partir d'aujourd'hui, la RAMQ ne rembourse plus les soins. Et la ministre de la Santé, elle connaît la situation depuis longtemps. La députée de Hull l'avait informé de l'enjeu. Le CIS de l'Outaouais lui a répété à plusieurs reprises qu'il y référait des centaines de patients, que le CIS ne savait pas comment il organiserait les soins si la clinique fermait et que la fermeture augmenterait nécessairement les temps d'attente dans la région. Les patients ont aujourd'hui deux options, Monsieur le Président. Attendre, encore, ou aller en Ontario et payer. Qu'est-ce que la ministre va faire? Madame la ministre déléguée à la Santé, Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, je m'excuse. Bien, Monsieur le Président, la population de l'Outaouais a une autre option aujourd'hui. En fait, dès demain, elle va pouvoir aller à la clinique de radiologie de Gatineau. Cette clinique de radiologie va augmenter son offre de services de façon considérable pour prendre en charge tous les citoyens ou citoyennes qui avaient besoin de services à la clinique d'échographie de l'Outaouais. Maintenant, pour la clinique d'échographie de l'Outaouais, cette clinique n'est pas dirigée par un radiologiste propriétaire. Et depuis au moins 2 ans, cette clinique savait que selon la loi et les règles en vigueur, elle ne peut pas continuer d'offrir des services sans qu'il y ait un radiologiste propriétaire. D'ailleurs, on a eu des demandes de prolongation du permis de cette clinique, même si elle n'était pas dans le cadre de la loi de dérèglement. On a donné quelques chances jusqu'à maintenant. Là, il faut vraiment régulariser la situation. Mais ce que je veux dire, et ce qui est de plus important, c'est que les citoyennes et les citoyens qui ont besoin de services vont pouvoir aller dès demain à la clinique. Première complémentaire, de la... Monsieur les députés de Pontiac. Monsieur le Président, à Gatineau, il y a un appareil d'imagerie médicale. À la clinique de l'Outaouais, il y en a 4. Dans sa dernière lettre, Monsieur le Président, le CIS de l'Outaouais disait avoir communiqué avec plusieurs reprises avec la ministre de la Santé concernant l'impact de la fermeture sur l'accessibilité. Elle mentionnait avoir parlé de la qualité des services à la clinique. Elle demandait à la ministre
de prendre des actions rapidement. Tout le monde est d'accord. La clinique, elle fonctionne bien. Est-ce qu'elle peut écouter son premier ministre et être pratique plutôt que dogmatique? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, j'écoute beaucoup mon premier ministre, puis je suis très pragmatique. Et je vais vous dire, la population va avoir accès dès demain à des services d'échographie à la clinique de, radiologie de Gatineau. Dès demain. Et l'ensemble des gens qui allaient à la clinique d'échographie de l'Outaouais vont avoir du service. C'est vraiment un dossier qui a été travaillé aujourd'hui même, Monsieur le Président, quand on est capable d'être efficace dans le réseau de la santé et des services sociaux. Aujourd'hui même, on a démontré qu'il y a une offre de services augmentée à la clinique de radiologie de Gatineau. Et le CISO aussi, le CIS de l'Outaouais est impliqué. Les citoyens vont avoir les services. Deuxième complémentaire, M. le député de Pontiac. M. le Président, je suis content qu'aujourd'hui, enfin, la ministre se penche sur l'enjeu. Ça fait des mois que la députée de Hull lui en parle. Ça fait des mois que le CIS de l'Outaouais lui en parle, M. le Président. Et aujourd'hui, elle réfère les patients à une clinique qui a un appareil d'imagerie médicale, alors qu'il y en avait quatre à la clinique de l'Outaouais, M. le Président. Tous ces citoyens-là, ils se posent des questions. Est-ce qu'ils vont avoir accès aux soins dès demain, comme l'a dit la ministre? Comment ils vont faire, M. le Président? Comment ils vont faire pour prendre en charge tout le volume de la clinique d'échographie de l'Outaouais? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, ils vont avoir les services à la clinique de radiologie de Gatineau parce qu'ils ont rénové, augmenté leur espace, ils ont deux radiologistes, ils ont embauché des technologues, même des technologues autonomes. Ils sont capables d'augmenter leur offre de services dès demain et pour le reste de l'année. Et même en juillet, ça va augmenter à nouveau parce qu'ils vont avoir un nouveau radiologiste ou un nouveau technologue qui va entrer. Alors, les services pour la population vont être assurés et on régularise une situation. Ça n'a pas été fait par le président du gouvernement. Nous, on le fait maintenant, puis on le fait en préservant l'offre de services aux citoyens. En terminant, question principale, Monsieur le député de Rimouski. Je veux avoir ma liberté, ma vie. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit à l'amour. Mélanie Dumais qui nous dit ça. Mélanie est handicapée intellectuelle. Elle veut demeurer avec son chum et vivre en couple. Mais comme elle a besoin d'aide sociale pour payer ses médicaments, et là, comme elle va vivre en couple, plus d'aide sociale. On va lui couper l'aide sociale. Et ce qu'on va faire, on peut l'obliger à aller demeurer chez ses parents, chez sa mère, qui demeure une heure plus loin de sa résidence. Ou l'autre alternative, c'est d'aller habiter dans un centre d'hébergement pour femmes en difficulté. C'est une situation qui n'a pas de sens, qui est inhumaine. Là, on parle vraiment un peu de la prochaine danse même de son conjoint. C'est une situation qui est inhumaine. C'est une loi, la loi à l'aide sociale, manque de cœur. Est-ce que le gouvernement peut regarder, est-ce qu'on peut faire en sorte, notamment pour les personnes handicapées, de donner un peu plus d'humanisme à cette loi et de pouvoir répondre à cette dame qui veut juste pouvoir vivre en paix avec son chum? Oui. Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, alors je vais prendre la réponse. Je remercie mon collègue. Pour Mme Mélanie, justement, elle est passée à mon bureau de comté. C'est quelqu'un de notre région. Elle est allée également au bureau de comté de ma collègue députée de Roberval, Nancy Guillemette. Écoutez, c'est une situation vraiment préoccupante. On a discuté avec le ministre du Travail et il est en train de se pencher sur sur la situation pour essayer d'aider les conjoints qui vivent certains handicaps à vivre en couple dans le même appartement. Ceci étant dit, étant ministre de l'Habitation, vous considérez que j'essaie également de trouver un logement ou deux logements côte à côte pour essayer que le couple habite un à côté de l'autre. Alors, comme j'ai dit à Mme Mélanie, je ne peux pas être au bureau de comté. Oui, on essaie de trouver des solutions parce qu'elle est désemparée. Alors, ceci étant dit, je travaille avec la députée de Roberval pour cette situation. Et à complémentaire, Monsieur le député de Rimouski, vous avez toute notre attention. Est-ce que j'ai bien compris? Deux loyers, on va faire un tunnel entre les deux, on va payer deux loyers, on fait un trou quelque part pour qu'ils puissent se voir. C'est quoi ça? Pour moi, ils vont se reprendre la prochaine réponse, parce que on ne peut pas accepter des choses du genre. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Le député de Romaine-Boisfranc le sait, le cas de Marc-Alexandre Godreau, c'est le même cas. Lui, il a deux tumeurs au cerveau, il fait des crises d'épilepsie, il a l'aide sociale, il est tombé en amour, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Il est avec sa blonde, ils ont un enfant, et là, on Madame lui coupe la ministre des Affaires municipales. Écoutez,
pour répondre à votre question, vous avez totalement raison. Ça peut paraître assez particulier, sauf que quelqu'un qui demeure au Lac-Saint-Jean et l'autre personne demeure au Saguenay. Alors, c'est évident que le premier geste, quand on veut rapprocher un couple, c'est de les mettre dans la même municipalité en premier. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de trouver un moyen pour les aider. Et oui, moi, j'aimerais bien vous dire que dans le passé, c'est une situation qui se répétait fréquemment, mais on a la chance d'avoir un ministre du Travail qui va sûrement essayer d'aider ces personnes en difficulté. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît. L'attention appartient au député de Rimouski. Il est le seul à avoir la parole. Bon, on se rapproche, là. Au moins, c'est dans la même ville. Mais on pense que ce serait mieux pour un couple d'être dans la même maison. À mon avis, ce serait plus logique. Un autre cas dans le comté de ma collègue de Joliette. Et là, c'est pas un couple. C'est quelqu'un qui a des problèmes graves de santé, qui a besoin de l'aide sociale et vit avec un ami, qui est dans le fond un proche aidant. Et là, ce qu'on fait, les enquêteurs sont passés, on va lui couper son aide sociale à elle aussi. Parce qu'on dit qu'elle vient son copain vient l'aider, c'est un aidant naturel. Et en conclusion, ils vont dire... La ministre coupe, des... Monsieur le leader du gouvernement... Monsieur le Président, la situation qui est soulevée par le collègue de Rimouski, c'est une situation à laquelle le gouvernement est sensible. Mon collègue responsable du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale a procédé à une étude du programme, à également une réforme. Il est en train de regarder le tout pour que l'ensemble des situations qui sont soulevées comme ça, parce qu'on en a tous dans nos bureaux de comté, on en a tous des cas de citoyens comme ça, et il faut s'assurer que les différents programmes du gouvernement du Québec répondent aux besoins et à la réalité des services à la population. Et c'est ce qu'on va faire entre un gouvernement qui est à l'écoute de la population pour faire en sorte que les enjeux qui sont soulevés comme ceux-ci, on puisse les régler tous ensemble. Question principale, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour un cinquième mois consécutif, l'indice précurseur de Desjardins est à la baisse. Cet indice permet de saisir dans l'économie du Québec les changements de tendance susceptibles d'annoncer l'arrivée soit d'un ralentissement profond ou même d'une récession. Donc, avec une diminution constante de cet indice depuis novembre 2018, nous pouvons anticiper une baisse de la performance de l'économie du Québec. Il est inquiétant de constater que la croissance économique semble vouloir se détériorer dès l'arrivée de ce gouvernement. Pourtant, en campagne électorale, on allait faire mieux. Bon, comment le ministre des Finances explique-t-il l'échec du gouvernement à maintenir le taux de croissance économique qui prévalait en 2017 et 2018? Monsieur le ministre des Finances. C'est vraiment une question particulière, Monsieur le Président. Okay. L'économie mondiale s'est synchronisée. Le sommet de la croissance mondiale était en 2017, année où le Canada a eu 3 % de croissance et le Québec 2,8. 2018, une autre bonne année, mais moins fort. 2017, nous observons un ralentissement... 2019, merci. Un ralentissement mondial synchronisé, mais pas de récession. Et la Banque du Canada a récemment réduit ses perspectives de croissance pour l'ensemble du Canada, mais pas pour le Québec, parce que le Québec fait très bien. D'ailleurs, lorsque nous avons eu les derniers chiffres d'emploi, nous avions d'excellents chiffres d'emploi au Québec pour les 12 derniers mois, et Statistique Canada, un organisme indépendant, nous informait que toute la création d'emplois de la dernière année s'était faite dans les 6 derniers mois. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, s'il vous plaît. Première complémentaire, Monsieur le député Robert Baldwin. Bravo, Monsieur le Président, mais le ministre ne peut pas ignorer les faits. Les faits, et les faits sont clairs. Nous constatons un ralentissement de la croissance économique dans les données de Desjardins. Est-ce que la CAQ, c'est ça pour vous, faire plus, faire mieux, un ralentissement économique? Alors, avec ce constat d'échec, comment allez-vous rassurer les investisseurs que c'est maintenant le moment d'investir au Québec? Monsieur le ministre des Finances. Mais d'abord, Monsieur le Président, je vais rassurer les investisseurs en leur parlant ce que j'ai fait dans l'Ouest canadien et ce que j'ai fait à New York vendredi dernier. Et je tiens à vous souligner que les investisseurs apprécient énormément notre choix d'avoir une stratégie pour augmenter le potentiel économique du Québec à long terme, des choix structurels, c'est-à-dire qu'on veut investir en éducation, favoriser les investissements privés avec l'amortissement accéléré et la réforme d'Investissement Québec, favoriser l'offre de travail avec les travailleurs de plus de 60 ans, une politique d'immigration où chaque immigrant aura un parcours personnalisé
Et finalement, nous continuons à réduire la dette, ce que l'agence DBRS a souligné avec un outlook positif. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin, vous avez toute notre attention. Encore une fois, les faits sont les faits, Monsieur le Président. Le Premier ministre parlait lors de son assermentation et à d'autres reprises qu'il voulait faire exploser l'investissement privé. Or, dans les chiffres des jardins, ce qui baisse, c'est la composante entreprise. Les consommateurs dépensent, les entreprises n'investissent pas. Comment allez-vous les convaincre maintenant que c'est le moment d'investir au Québec? Investissement direct. Monsieur le ministre des Finances. Bon, Monsieur le Président, encore une fois, je veux rappeler à tout le monde que l'économie mondiale, c'est corrélé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ça influence l'ensemble de l'économie mondiale. On a quand même eu d'excellentes nouvelles avec la réduction des tarifs sur l'aluminium et l'acier. Les chiffres d'emploi sont bons au Québec. La confiance est là. Nous avons des bonnes politiques structurelles pour augmenter le potentiel du Québec à long terme. Les agences de notation reconnaissent la qualité du travail que nous faisons. Alors, nous allons poursuivre ce travail. Et, toute chose étant égale par ailleurs, oui, il y a l'économie mondiale, mais ce que nous voulons faire, c'est amener le Québec vers un autre niveau, c'est-à-dire augmenter le potentiel économique du Québec de ce qui vous satisfaisait, 1,3 % Question principale, Madame la députée de Vaudreuil. S'il vous plaît, tout le monde, votre attention. Les récentes inondations ont forcé plus de 10 000 évacuations. Ce sont des drames humains importants. Tous s'accordent pour dire qu'il faut revoir la question des zones inondables. Le premier ministre parle même de déménager des quartiers entiers. Toutefois, le message du gouvernement ne semble pas passer partout. Les municipalités, voyant ce gouvernement leur refuser des revenus additionnels, cherchent désespérément à augmenter leur assiette foncière. À Hotsun, dans le comté de Soulanges, le conseil de ville a approuvé un important projet de construction pour 114 maisons en plein dans un milieu humide qui a servi de zone tampon lors des dernières inondations. Pire encore, cet endroit est traversé par un cours d'eau. Mais ce n'est pas tout. Entre deux versions de ce projet contesté, le cours d'eau est devenu, par magie, un fossé, ce qui dispense le promoteur d'obtenir des autorisations auprès du ministère de l'Environnement. La ministre des Affaires municipales compte-t-elle donner une directive plus claire pour encadrer le développement en milieu humide et va-t-elle intervenir dans ce dossier? Madame la ministre des Affaires municipales. Bon, alors, je suis très heureuse de prendre la question, en fait, parce que quand je suis arrivée il y a 7 mois, j'ai regardé, il y a 65 % des schémas d'aménagement qui datent de plus de 10 ans. Alors, au niveau des milieux humides, vous me posez la question, ça me fait plaisir d'y répondre, parce que en 2018, l'ancien gouvernement a enlevé 555 milieux humides, les milieux humides qui ont disparu en 2018, et en 2017, l'ancien gouvernement en a enlevé le double. Alors, si vous me posez la question aujourd'hui, si vous êtes sensible pour les milieux humides, je ne comprends pas que dans les deux dernières années, vous avez enlevé autant de milieux humides pour accepter des nouveaux projets. Première complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dont nous avons abondamment parlé les dernières semaines dans la foulée de la rupture de la digue, imaginez-vous que là aussi, il y a un projet de 90 appartements sur le bord de l'eau sur le terrain de l'ancienne marina. Questionnée lors de l'étude des crédits budgétaires, la ministre des Affaires municipales avait pourtant affirmé qu'il y aurait zéro construction en zone inondable. Qu'est-ce qu'elle attend pour intervenir? Ministre de la Sécurité publique. Président, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, effectivement, elle est complexe. Ma collègue vient d'énoncer notre volonté de mieux faire les choses que ce qui a été fait auparavant, mais cette situation-là, elle est due aussi, et il faut se le dire, à des années d'aveuglement volontaire. Le caractère récurrent et affligeant des inondations, Monsieur le Président, ça fait des années qu'il est connu. Mais dans le temps des précédents gouvernements, nommément des gouvernements libéraux, on débarquait là chaque printemps avec nos bottes, et dans votre cas, c'est vrai de le dire, quand les caméras étaient parties, on ne vous revoyait plus jusqu'à la prochaine saison. Entre-temps, des maisons se construisant en inondable, c'est pas grave. Les dossiers de réclamation ne se réglaient pas, c'est pas grave. Nous avons le courage de prendre les décisions qui s'imposent. Et c'est ça, un vrai gouvernement responsable. Deuxième complémentaire. La parole d'appartient, je vous demande le silence, s'il vous plaît. La parole appartient à la députée de Vaudreuil. On est en 2019, les caméras sont parties, puis on vous cherche encore. J'étais sur le terrain en fin de semaine, les gens vous cherchent. Toujours dans la même veine, à Dorval,
Un important terrain boisé sera bientôt remblayé pour faire place à 31 maisons de luxe sur le bord de l'eau. Quand le premier ministre parlait de ne pas vouloir payer pour des maisons de riches, je ne sais pas s'il avait ce projet en tête, mais ces maisons à 2 millions de dollars l'unité seront situées, vous l'avez bien deviné, en zone inondable. Les demandes d'autorisation sont en cours auprès du ministère. Est-ce que le gouvernement compte se tenir debout et refuser un tel développement en zone inondable? Madame la ministre de la... La Madame la ministre des... de la... S'il vous plaît. Madame la ministre de la Sécurité publique, votre attention pour la réponse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président, la symbiose est telle entre ma collègue et moi qu'on se lève en simultané parce qu'on travaille tellement main dans la main pour cette importante question qu'on est toutes les deux avides de pouvoir partager l'information. Mais le fait est, Monsieur le Président, je l'ai dit, que la construction en zone inondable, c'est une problématique qui existe depuis très longtemps, qui aurait dû être prise en charge bien avant, mais nous prenons enfin les décisions courageuses qui s'imposent. Je le fais avec ma collègue des Affaires municipales, avec mon collègue de l'Environnement aussi. Nous allons enfin mettre en place une vision lucide de l'aménagement du territoire et protéger nos municipalités et nos citoyens contre les inondations récurrentes. Bravo. Okay. Cela me fait à la période de questions et de réponses orales. Merci.